Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Avec mon frérot Cashmo. Ça va ou quoi? Oui, ça va frérot, calme, on est là. Hein. Bon. Tu connais, merci pour l'invitation. Merci à toi frérot, merci à toi d'être venu toujours. Tu connais, je suis charmé hein, ma gueule. Hein. Ça c'est ma mort, tu connais. Bon, avant tout, je te laisse te présenter gros. C'est Cashmo, de Petit Bout, tu connais. De Capester aussi, tu vois. Un 7-0, un 730, tu connais. Et puis boum. Pas ni temps pour rester couché. A passer mon ancien billet. Donc, si monsieur continue à veiller. Aïe, pas changé, en toujours là. Malgré divers péripéties. Red bandé, pas qu'à des modes. À ça avant, l'OV va y tomber. Bon, toi, t'es rappeur, mais t'as plein d'autres trucs aussi. T'as la marque. Ouais, j'ai ma marque. Tu fais à manger aussi. Tu fais, ouais, tu fais 10 000 trucs. Toi, t'es expliqué. Je fais de la musique. Je fais de la bouffe. Je m'en moque de t-shirts pour tous ceux qui savent. Et puis voilà, frérot, on est là, on est des bouillards, tu connais. T'as commencé comment le son, toi? Ça fait combien de temps? Mais ça fait un bon petit moment quand même que je chante. On va dire que c'était avec un frérot de Capester. Sinon, c'est Tico, tu connais Tico. Il m'a lancé, tu vois. Et puis par la suite, j'ai toujours continué. J'ai toujours cherché à poser, à poser, à poser. Et puis je me suis fait des connexions. Et puis j'ai grandi par rapport à ça, tu vois. C'est dans le sang, mais. On a toujours été là. On a toujours été là sans être là, mais on est toujours là. Tu connais la famille. Parce qu'on a d'autres priorités. On est sur l'entreprise, tu vois. On fait des débats sérieux, tu vois. Mais la musique, c'est toujours dans le cœur, tu vois. Bon, alors frérot, du coup, c'est la première fois que je viens à Petitbourg. Je sors déjà, c'est à d'autres artistes ici un peu. Oui, il y a le petit fort Juju, tu vois. Big up à Juju aussi. C'est le petit fort que tu joues avec Makisha, tu vois. Et puis voilà, on est à deux là, et puis on représente le quartier, Petitbourg, tu connais. C'est grand ou pas du coup Petitbourg, ça se trouve où? C'est vaste. Petitbourg en fait, on va dire que c'est la Basse-Terre. C'est à côté de Bémaro, tu vois. Bémaro, Guayave. Mais Petitbourg, c'est vaste. Là on est à Saint-Jean, tu vois, c'est où j'habite. Tu vois, c'est le quartier. C'est tout près du bourg. Et puis tranquille, hein. Après ça, comme je te dis, il y a le centre, il y a la campagne. Il y a la campagne par là, c'est vaste, tu vois, c'est grand Petitbourg. C'est la plus grande commune de Guadeloupe, tu connais. Bon, t'as clippé du coup à Petitbourg, j'imagine. Ouais, j'ai clippé beaucoup, hein. Ouais, j'ai clippé là aussi. Par là, ça, ouais. C'est à l'époque, tu vois, vas-y, il y a Juju là, justement. Ah, bien, on va aller le présenter. Ouais. Voilà, il y a Juju. Du coup, t'as clippé à l'époque, t'as clippé quoi, toi, ici? Ouais, j'ai clippé un son avec un frérot, là, Wiki, tu vois, c'est à l'époque. On n'avait même pas les locks. Ah ouais? Tu vois, on a clippé là, dans le bâtiment. Mais tu connais, ils ont rénové. Alors, ça va ou quoi? Et puis, au calme, hein. Mais c'était dans le bâtiment, là. Le deuxième, ils ont repeint tout, tu vois, on avait des tags, on avait tout. Mais après ça, tu connais, on a grandi, les gens, ils ont repris les bâtiments. C'est le passé, tu vois. Ouais, bon. Mais sur YouTube, il y a toujours les traces. Il y a un rappeur à nous présenter, là. Vas-y, Juju. Frérot, ça va ou quoi? Ouais, au calme. Tu rappes alors, toi? Ouais. Je te laisse expliquer, t'as sorti quoi? T'as sorti combien de clips? Mais bon, déjà, moi, c'est Juju. La cité de Petitbourg, Saint-Jean. J'ai commencé avec le groupe Cashmo et tout. On a déjà retiré quoi, 3 clips pour le moment. Ouais. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent. Et puis voilà. Connecté. Bon, faut expliquer aussi c'est quoi Charmé Squad. Charmé Squad, c'est un petit maman, tu vois. C'est Charmé, tu vois. De base, ça veut dire méchant. Mais on l'a mis à l'envers, c'est Charmé, tu vois. Charmé, ça veut dire que on est là, c'est chaud, tu vois. Ça veut pas dire que. Tu vois, faut pas. Il y a des gens qui vont penser des trucs. Tu vois, mais on est des gars cool. On est plus basé sur l'oseille. Et après ça, bon, si on bouille, on bouille. Mais on est plus oseille, tu vois. Ça charbonne. On veut le papier, tu vois. Ça fait combien de temps que tu l'as fait la marque toi du coup? Ça fait un petit moment quand même, hein. Ça fait 6 ans quand même, hein, faut. Hein. Ouais. Ça fait 6 ans. Hein. Mais comme je te dis, moi, je suis plus basé là. En ce moment, je suis plus basé sur la bouffe. Tu vois, là, je monte mon business. Donc du coup, c'est pas que j'ai laissé en stand-by, mais c'est au calme, il y a des trucs qui se préparent et ça 2023, ça va envoyer fort. Tu veux dire, toi, t'as commencé. Ça sera chamé. Eh ouais, ça sera chamé, mon gars. Tu connais, mon gars. Bon, sinon, c'est quoi, t'as commencé aussi tous les bails de bouffe et tout, toi? La bail de bouffe, tu vois, je travaillais quand même un grand, tu vois. Et puis ça m'a donné envie, et puis je me suis lancé, il faut. Hein. Et puis après ça, ça a filé, mon gars. On s'est amélioré, et puis on a cherché, et puis. Maintenant, c'est comme ça, c'est Cash Grill, c'est CB Burger, ils connaissent. Ça veut dire tous. Tu fais comment? T'as un resto, tu fais ça en livraison? Non, fais... pour le moment, comme je t'ai dit, là, je m'organise pour. Tu vois, mais je fais des livraisons, je travaille à mon domicile, tu vois, pour le moment. Mais bientôt, il y aura les belles soeurs, comme je te dis, on commence petit pour. Pas pour grandir. On loupe pas les marches, tu vois, on monte petit à petit.
Parce que Validé, tu connais pas autant Guadeloupe, c'est ça. Gros. Ça, c'est le NSU, le Maison Gauthier, tu connais. Ça, c'est Maison Gauthier, c'est... ça, c'est la base aussi. Tu connais pour santé. Hein? Alors, cache-moi, on se retrouve où là du coup? Ben là, on n'est pas de la boutique, tu connais ça. Si on achète nos boissons et le soir, on vient décompresser leur calme. Le dernier clip, on l'a fait là aussi. Hein. Dernier clip, ouais? Ouais, le dernier clip sur YouTube. C'était là. C'était il y a combien de temps ça? On va dire, si je ne me trompe pas, un mois et demi. Hein. Ouais. Quand même qu'on l'a lâché avec Théramani, Big Up Théramani, ça c'est le frérot. Ben justement, c'est sur sa chaîne que je t'ai connu, frère. Ah ben tu connais ça, c'est le frérot, oui. C'est le validé. C'est un toujours, bon, c'est ça un c'est bon. Mon frérot. C'est carré, voilà, la boutique, ça, c'est là. Ouais, c'est la boutique. C'est là, ça sera vital, quoi. Ah oui, tu vois, il y a tout ça là. Là, t'as vu tellement. Oui. Ouais, voilà, ça c'est. Ça c'est nos bails, ça. Ça c'est la base. Bah voilà, NSI ou VS? VS. 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 Mais tu vois comment on a un stock de NSI, on n'est plus ça. Et ça c'est. Ça c'est la base. On a clippé devant aussi. Ouais, moi, j'ai clippé là. Ouais, tu m'as dit ça a changé beaucoup ici. Ah oui, mais c'était pas comme ça en fait avant. En fait, il n'y avait pas encore le resto, ils n'avaient pas encore aménagé le resto, tu vois. Donc on a sali toutes les pièces là, tu vois, calme. Avant c'était quoi aussi. Ça, du coup c'était abandonné avant ou quoi? En fait c'était un restaurant, ça a toujours été un restaurant, mais en fait le gars qui avait le resto il est décédé, tu vois. Donc du coup ils ont déménagé. Et puis ça s'est retrouvé vide et puis par la suite, tu connais, hein. On a sali ça. Bon, sinon, toi, Juju, t'as clippé où toi un petit peu? Dans mon bâtiment, là où on était tout à l'heure. Là. Dans la cité même, mais plus haut, si tu veux, on va faire un truc tout à l'heure. Et là où encore? Dans le bout. Et puis après ça, dans une petite ville et tout. Et puis calme. Hein. Ça a clippé ici, du coup? Ouais, là, comme ça, là, dans la rue. Là, comme ça. Ouais. Là aussi, là. Mais c'était pas encore aménagé. On salit pas les murs, tu vois. Ouais, ouais. On respecte. Tu vois, là, c'est des personnes âgées qui habitent là, tu vois. On est très sous le respect, nous, tu vois. Ouais, mais justement, elle est comment la mentalité tu vois, nous, en fait, c'est respect pour respect. Depuis qu'il n'y a pas de respect, on ne respecte pas, tu vois. On est très assidu, tu vois, sur ça. On n'est pas les plus dangereux, tu vois, mais c'est le respect avant tout. Ça, c'est primordial. Petit, grand, c'est respect. Depuis qu'il y a le respect, on te respecte. Si tu te dérespectes, on te respecte pas. Ouais. Tu vois, et puis c'est comme ça. Donc on a mon premier clip avec Cashmo, c'était là, dans la ruelle. C'était dans ce truc là, ouais. Un nouveau jour, le bloc il est là et tout. Ah, c'était ici. Ouais, c'était là. Ah ben on va descendre, hein. Alors, on arrive de quel côté du quartier là, du coup, Cashmo? Là, on est toujours à Saint-Jean, tu vois, mais on est plus au fond. On est plus au fond, c'est où il a fait son premier clip avec moi, tu vois. Et puis, ça se passait dans la rue là, on était là, tu vois, mais. Avant, c'était très ouvert, tu vois, mais là, ils ont rangé les portes et puis, tu connais. Après, il faut dire aussi qu'on a grandi, on est plus sur. C'est bien là, ça, tu vois. Mais ça s'est passé là. Ça. Connais la famille. Toi, t'as fait des clips solo un petit peu ou Non, pas encore. Enfin, j'ai fait un, mais c'est pas sorti, malheureusement. Un petit problème et tout. Et puis là, moi, c'est que avec Cashmo, il y a des petits câbles là. Voilà. Ça avait clip à l'intérieur, du coup? Ouais, ça avait clip à l'intérieur. On avait fait deux clips là, celui de Cashmo et de Zulu. Et celui d'un frère aussi, Kilo. On avait clippé là et tout. Pour mettre c'est dans le cadre. Et voilà, c'est son cœur. Ah, c'est pour ça. Alors, avant, c'était la merde, là. Ouais. Tu vois, c'était le bordel, tu vois. J'étais obligé de fermer, tu vois. Est-ce que l'ambiance, elle a changé un peu? Ouais, ça a vraiment changé. Ouais. En fait, tu vois, comme je te dis, tu sais, quand il y avait 18 ans, c'était le bordel. Là. Il y a des gens qui ont mûri, il y a des gens qui sont partis. Donc, du coup, c'est l'évolution, faut, hein, tu connais. Hein. Il y a un moment pour ça, il y a un moment pour changer de bail, tu vois. Donc, ça appartient au passé, hein, tu vois. Mais on a toujours représenté, là. Au calme, comme d'habitude. C'est un seul que j'ai quitté, on n'était pas sorti, on avait quitté ça là aussi. Ouais, ouais. Il y a celui du bateau, je me suis dit, c'était une idée du bateau, donc il y a une version. Ouais, ça s'est passé aussi. Alors, frérot, il s'est passé des clips aussi ici. Ah oui, il y a un clip là avec le faux lighter, Big Up à lighter aussi. Et puis, on a clippé là sur le terrain. Là, sur la petite montagne, là, au calme. On a fait des prises là aussi. Et puis voilà, un peu. Hein.
ça doit dater de 3 ans quand même, tu vois. Bon, en gros, il y a le terrain. C'est le rendez-vous là, ça, le dimanche matin, il y a des bons joueurs là quand même qui viennent jouer, tu vois. Ouais, avant j'y participais, mais comme je suis plus sur le business, tu vois. T'étais dans le foot avant toi, de façon. Ah oui, j'étais défenseur quand même, ça passait pas. Hein. Tu vois, ça cassait, ça coupait les jambes. Tu vois, mais là, comme je t'ai dit, je suis plus sur le business, l'entreprise, tu vois. Je charbonne pour ça. Bon, sinon, il y en a, ils sont devenus professionnels ici à Petit-Bourg ou quoi? Personne a signé. Ben, oui, il y a des vies où il y a. Big up. Tu vois, c'est le petit frérot, c'est le petit frère de bon portement, tu vois. Il a joué à Bordeaux. Ah oui, c'est un gars aux jeunes buts. Il y a des bons joueurs, tu vois. Il y a des frérots à moi qui sont en France, mais ça va. Mais big up à David, tu connais. Bon alors les gars, il y a eu des clips ici du coup. Il y a un clip là avec le frérot Tissou, Kemba. Bon, parce qu'il dort. Bah ouais, on a clippé là aussi. Ça a clippé ici. Ah oui, ça a clippé là, quand même. C'est ça le carré du coup. Justement, on a j'ai clippé avec mon frérot là, mais là, je pense qu'il dort là, tu vois. Au calme, mais après ça, avant c'était pas comme ça. On a clippé à l'intérieur aussi quand c'était pas comme ça, tu vois. Et puis on a sali ça aussi, mais ça c'était à l'époque. Ouais. Mais le plus récent, on l'avait fait là, avec le frérot qui habite là. Ouais, peut-être qu'il n'est pas là non plus. Hein. Mais on a clippé là aussi. Big up aussi au carré, tu connais. Hein. Ça c'est la jeunesse, hein, tu vois. Je connais ça. Big up à tout le monde, hein, tu connais. C'est quoi qu'on voit ici en plus. Ah oui, il y a des RIP. RIP Sky, ouais. Nous, tu connais. Fouille. Oui, tu connais. Mais bon, on voit plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est beau. Le coquillage là, tu vois le beau coquillage. Ouais. C'est beau, mais ça fait mieux. Bon, on a fait un clip là, de la ruelle là, là-bas. Ouais, c'est fermé. Après ça, tu vois, les dimanches aussi donc. Ouais, les dimanches, tout ferme. Hein. Ouais. Là, tu vois, c'est où ils font les fêtes de commune, tu vois. Ouais. Pour la fête de la commune, on avait chanté là, tu vois aussi. Et voilà. C'est carré. Là, c'est les marchands de Bokit. Ah ouais, c'est souvent dans les camions comme ça en plus. Ah oui, ça c'est les vrais bails aussi, hein, ça. Il y a la plage ici ou quoi? Il y a la mer, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a des plages? Un peu plus bas. Ah, ok. Un peu plus bas. Là, c'est un bon petit resto là aussi. Ici aussi, ouais. Et c'est fermé. Et tout est fermé, gros. Ah ouais, je dis dimanche. Là, c'est perdu. C'est carnaval, gros. Bon, on se retrouve où là, frérot? Vas-y, là, on est toujours au bout là. Mais on a vinaigri, tu vois. Là, c'est où il y a un port de pêche, tu vois, quand même. Et puis on a clippé là aussi. C'était quel clip qui s'est fait ici? Ben là, j'ai clippé avec le frérot Babylo, tu vois. Et puis, quand même, on a fait des prises là, tranquille. Bon, sinon, c'est quoi les projets un peu aussi qui arrivent? Les projets là, franchement, là, pour 2023, on va déjà essayer de se mettre un peu plus carré sur la musique. Il y a un petit EP qui se prépare là. On a déjà commencé à chercher des instruments, tu vois. Mais ça vient. Je te promets ça, je vais t'envoyer des nouvelles. Bon, sinon, je sais que t'es focus sur la bouffe en ce moment. Mm-hmm. Mais imagine, le truc que tu préfères le plus faire entre eux, par exemple, la marque de vêtements, la musique, la bouffe. Bon, pour le moment, j'ai l'amour pour la bouffe. Parce que je suis dans H24, tu vois. Mais j'aime tout ce que je fais. La bouffe, la musique, ma marque de t-shirt, ma fille. Mais je suis là, tu vois. Mais on essaie de donner du temps à chaque élément, tu vois, frérot. Mais 2023, on va se concentrer sur ça pour lâcher des bons trucs bien charmés, tu vois, bien méchants, tu connais, frérot. Avec Juju, on est là, tranquille. Sinon, on voit un peu d'autres villes par là-bas et tout. Ah oui, on voit quoi, là, par exemple? Où il y a la croisière, frérot, tu vois, tout ce qui est Pointe-à-Pitre. C'est Pointe-à-Pitre, ça, ouais. Pointe-à-Pitre, il y a Jarry aussi par là, tu vois. Après ça, là, tu vois le Gosier. Bon, là, tu vas pas voir, mais il y a Goyave, tu vois. Ouais, après, c'est par là-bas. Voilà. Ouais. Mais où tu vas la croisière, mon frérot? Ça, c'est PAP. Ville. Ça, c'est la ville.
tu vois, plus tard ça va partir, ou d'autres manières, il y a le carnaval après taper tout à l'heure. Normalement, tu seras obligé de voir le bateau partir parce que ça gronde fort. Sinon, dernière question, celle-là, bon, tu la connais, je sais tu vas répondre quoi en plus. C'est quoi ton équipe de foot préférée? C'est Marseille, mon gars, mais c'est Marseille, hein. Mais j'adore le Barça. Barça, tranquille. Okay. C'est carré, bon. Marseille, Barça, tu connais fort. Et toi, Juju? Moi, je suis mitigé. C'est quoi vos réseaux aussi qu'on vous suive, les gars? Sur Instagram, c'est Cachemosap, ça tu connais, c'est validé. Et puis sur Facebook, c'est Cachemosap, ça. Ouais, si je me trompe pas. Hein. Ouais, c'est Cachemosap, ça. Au calme, tu connais, faut. Merci, Thierry Duba, Juju, Thierry Duba, 170. Ouais, les gars, merci beaucoup, en tout cas. Chambé Squad. Tu connais, faut, c'est ça, la marque. Merci beaucoup, on a fait ça. Y'a la passion, ça aussi, tu connais, faut. C'est carré. La vidéo était chambée, en tout cas, c'est le cas de Dieu. Chambé, tu connais, faut. Et big up à Gab, mon frère. Merci, bien. C'est on validé. Et puis on te remet aussi pour la force. Et puis on est ensemble, tu connais, mon frère. Ça fait plaisir, okay. Toujours. Check mes poussins, 150 euros, un jambon ferret. L'un en haut téléphone, ça qu'a fait écho, un café pour FIBA. Si petit femme là, ça vient au champ, une niche à l'habiter, l'argent de l'eau.